C'est bien, tu as donc pu réaliser cette mission facilement, avec mon aide, en faisant pas à pas. Et maintenant, tout de suite, il nous vient à l'esprit, mais par exemple, dans les voitures, il y a un système comme ceci, où quand je me rapproche, il y a un avertisseur sonore qui me dit si je suis proche ou éloigné de mon objet. C'est ce que nous allons programmer dans cette deuxième partie de mission. Voilà, je suis près de l'objet. Si je me... Simple. Si l'objet... S'il s'approche, il fait un son un peu plus grave. Si l'objet se rapproche, il fait un son plus aigu. Même chose qu'avant. Plus il est loin, plus il avance vite. Plus il est près, plus il avance doucement. Plus l'objet se rapproche vite, plus le robot recule rapidement. Et il y a un avertisseur sonore. Et si tu as bien remarqué, l'avertisseur sonore est très lent lorsque l'objet est loin, très espacé. Et plus l'objet se rapproche, plus le signal sonore se rapproche aussi. Je refais une fois. C'est fait, ça marche. Donc, il va falloir, à l'aide du logigramme que tu as, insérer une fonction mathématique qui concerne pour le son, qui va gérer cet espacement de temps lorsque l'objet est loin et lorsque l'objet est près. Donc, en effet, tout est lié à la distance. Donc, ce sera la distance avec un facteur mathématique qui va faire que le son est espacé ou que le son est proche. De nouveau, on va employer ce bloc mathématique qu'on a vu lors de l'étape précédente qui est extraordinaire et qui va toujours nous permettre de faire des calculs complexes pour réaliser cette mission. Alors, regarde bien le logigramme, je t'explique pour le logigramme, je t'apporte quelques précisions en plus qui devraient te permettre de réaliser cette partie-là avec facilité. Une fois que tu as fait ceci, il y a encore l'étape suivante qui est chaque fois un petit peu plus complexe. Alors, à bientôt, mais d'abord, en avant pour le logigramme. Finalement, le défi de la mission 7, si tu regardes bien ce logigramme, est légèrement différent de la mission 7. Donc le défi est légèrement différent de la mission. Finalement, il y a très peu de choses qui changent. On ajoute juste quelques blocs ici dans la boucle que tu n'as pas là. Mais finalement, les blocs ici du début sont exactement les mêmes. Donc, je ne vais pas les commenter à nouveau. Par contre, ici, je vais te donner un petit coup de main pour trouver cette façon de jouer ce son. Pour ceci, on va prendre directement un exemple. Par exemple, mon robot se trouve à 20 cm. Donc, 20 cm, c'est plus grand que 5, c'est pas plus petit. Donc, il se met là, il fait son calcul pour avancer et il joue un son pip de 0,05. Ça va être une tonalité, un son de piano, parce que c'est le seul cas où je peux vraiment faire moduler la vitesse et la rapidité du son. Donc le son se joue de toute façon la même longueur. Pip, pip, pip. Et c'est le temps d'attente entre les deux sons qui va changer. Si par exemple j'ai un temps d'attente ici de 1 seconde, donc il va faire pip, j'attends une seconde, il revient 19 cm, pip, et il revient pip. Mais il faudrait que ce son, cette attente, soit proportionnelle à la distance qu'avance le robot. En effet, plus le robot avance près de la cible, plus le son va être rapide. Plus le son est loin, plus le robot est loin, plus le son, l'espacement entre les sons est lent. Comme pour les voitures qui reculent avec un détecteur de proximité. Donc, il va falloir jouer un facteur, un nombre qui va corriger ce nombre-là. Pourquoi ? Toujours le même exemple. Il est à 20 cm. Il avance, il joue son son. Si, par exemple, je ne mets pas de facteur, donc il va attendre 20 secondes, il mesure 20 cm, il attend 20 secondes. Il attend 20 secondes, et après il recommence la boucle. Mais durant ces 20 secondes, le robot avance toujours. Donc il risque d'arriver le nez dans la cible avant qu'il ait le temps de rejouer une deuxième fois son son. Bien. Donc il va falloir mettre un facteur. Mettons un facteur de 0,1. Si... Il a 20 cm, il avance, distance 20 cm, fois 0,1, 2, il doit donc jouer son son toutes les 2 secondes. Donc il va attendre 2 secondes, et il va recommencer.
malheureusement, ça risque d'être pas assez proche des sons. Donc il va falloir trouver un facteur ici qui est vraiment assez petit. Bien sûr, ça va être un nombre qui est compris entre 1 et 0. Parce qu'on sait très bien que quand on multiplie un nombre plus petit que 1, le résultat va être plus petit. C'est donc à toi de trouver le nombre ici pour que ton robot fonctionne correctement. Je te souhaite bonne chance et n'oublie pas de tout compléter pour arriver au terme de ta mission. À bientôt !